Et c'est à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix de Hongrie 2002. C'est le circuit du Magyarország, comme on dirait en hongrois. Enfin, après la prononciation c'est autre chose, mais en tout cas c'est ce qu'il avait écrit à l'époque. Donc on a ces circuits les plus sinueux et les plus lents, hein, concrètement, du championnat. On va voir du coup au niveau des réglages de la voiture. Je pense qu'on va baisser les rapports de vitesse. On va augmenter l'appui. Regardez la partition de freinage à ce niveau-là, je pense que c'est bon. Et on va lancer la qualification. Alors moi, de mon côté, je vais baisser un peu le son du jeu. C'est parti! C'est d'ailleurs assez marrant parce que juste avant de lancer cette vidéo, je regardais la rétrospective du Grand Prix d'Hongrie 2006 avec la victoire de Jenson Button. C'est vrai que c'était un circuit où il s'était passé pas mal de choses. Alors on va découvrir ensemble le tracé, enfin redécouvrir ensemble le tracé. C'est une Toyota qui est devant moi, ouais. Chicane qui est un peu particulière, ils ont fait des vibreurs un peu exagérés. On a encore l'ancienne chicane, ouais, pif paf. C'est pas encore le virage à angle droit que l'on a. Par contre, il faut absolument que je puisse la dépasser pour faire mon tour de qualification là. Ah, c'est bon, c'est parfait. Je pense que je pourrais aller plus vite dans la chicane, mais pour le moment, on va faire un tour tranquille, tranquille. Histoire de faire un chrono déjà. Parce que c'est un circuit pour dépasser, ça va être compliqué. J'ai fait un tour en 1.12. J'ai battu le record de la pole position de 4 secondes. Eh ben. Alors, pour parler de la saison 2002 et justement de l'équipe rose hein, avec laquelle on roule depuis le début de saison, le Grand Prix d'Hongrie est le dernier Grand Prix où en fait on entendra parler d'Arose puisqu'elle sera. Elle déclarera forfait définitivement lors de cette course. Elle participera pas aux essais, qualifications ni rien d'ailleurs. Et ça sera la fin du team hein, qui va rendre les armes. Trop empêtré dans des problèmes financiers, la fourniture des moteurs Ford Cosworth au point mort. Et du coup, bah, la fin du team anglais. Donc un jour, je récupère le bouquin de la saison 2002, je me suis loupé. Moi, je pense pas que j'améliorerai mon temps. Qui explique vraiment dans les détails un peu tout ce qui s'est passé. À la base, c'était un parlant F1 que je voulais faire depuis le début. C'est peut-être le premier parlant F1 que je voulais faire, c'était celui sur la fin d'Arose. Et peut-être que jour je le ferai. Bon, en tout cas, on n'a pas amélioré, on va faire fin de session. Et il faut savoir que jusqu'en 2003, avec le possiblement rachat par Phoenix, je sais plus que c'était Phoenix exactement comme entreprise, mais il aurait pu y avoir une nouvelle écurie. On avait même pensé à Arden à un moment, qui aurait pu racheter les actifs d'Arose. Arden qui était une équipe de GP2.
Enfin, F3000, GP2, plutôt F3000 à l'époque. Et finalement, ils l'ont pas fait. Donc, du coup, jusqu'au Grand Prix de Melbourne, on a encore Bernoldi qui est mentionné sur la grille de départ, enfin, en tout cas participant au Grand Prix de Melbourne 2003. Et ça sera pas le cas. On va faire du coup la course. Bah, je pense qu'on va très bien partir, là, parce qu'à mon avis, j'ai pas vu la grille de départ. Mais à mon avis, vu les écarts, alors j'ai pas beaucoup de tests de pointe, c'est peut-être la seule chose qui pourrait me poser problème. En tout cas, il a l'air de faire très beau. Encore une fois, hein. Oh les Ferrari, franchement, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça, l'écart de vitesse. Et en plus, j'avais baissé la boîte de vitesse, hein. J'avais vraiment réduite au minimum. On va essayer de ne pas se faire surprendre par le McLaren. Oh, le coup de frein. Oh, l'extérieur, c'est bon, ça va passer. Bon, maintenant qu'on est sur le circuit, enfin, on a fait le premier départ. On a les deux Ferrari devant. Ah ouais, non mais franchement, le départ... Alors soit il y a peut-être un moyen d'accélérer vite, d'avoir un genre de super départ, un super boost, je sais pas. Mais ça me paraît vraiment étonnant, et voilà. Williams qui me redépasse. De se faire surprendre autant, en fait. C'est vraiment impressionnant, l'écart d'accélération. Va falloir gérer les écarts de trajectoire. Oh là, il me bloque à l'intérieur en plus. Allez, je pense que je peux passer là. Non. On va pouvoir passer là. C'est bon, l'accélération que ça passe. C'est qu'elle voilà toujours la enfin toujours mieux que moi à cet endroit. Et ouais, mais encore, mais je sais pas pourquoi. En fait, je pense que c'est le fait de voir les vibreurs énormes en fait dans la chicane qui me donne pas envie en fait d'aller à fond. Parce que je me dis que je peux partir en tête à queue instantanément. Et là, si je pars en tête à queue en Hongrie, c'est compliqué hein, pour monter tout ça. Oh la vache! Oh, le grip à la partie verte, je m'attendais pas à ça. Je pensais que j'avais glissé. Et je me trompe de touche. Oh, 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 attention, Barrichello. Je peux pas passer comme ça. Et à chaque fois je me trompe, je mets de la vue arrière et je change de vue. Elles sont quand même pas mal à l'extérieur. Ah, le vibreur! Ouais, non, mais là. Je suis passé. Je pense qu'il m'a touché un petit peu, j'ai ressenti un peu un choc à l'arrière. Qui se demanderait pourquoi je rentre toujours derrière moi, bah, simplement pour pas éviter de ne pas me faire surprendre.
Éviter de me faire surprendre par le par la voiture de derrière, hein, simplement. Parce que des fois, elles reviennent d'un coup. Allez, on est à mi-course. Oh, attention. À chaque fois, je me fais couper la relance par la Ferrari parce que j'arrive juste derrière son aileron arrière, pardon. Au moment de raccélérer, en fait, c'est ça le problème. Et voilà, je pense que j'aurais pu passer, mais bon, il a louvoyé légèrement. Il se décale. Alors on va encore toucher. Oh papa, c'était limite. Ouh ben voilà, quand je disais il faut jouer derrière moi, là je l'ai pas trop fait, il était vraiment juste à côté. J'essaie de laisser un peu de la marge, accélérer le plus fort possible à un moment, ici là, mais non. Laisser un peu de marge. Bah ouais. Ouais, là par contre, l'intérieur ça marche pas spécialement bien. Les vibreurs à chaque fois sont vraiment ignobles et voilà, du coup je me retrouve rattrapé par Barrichello. Il fait que louvoyer, hein, on le voit très bien là. Ah, il en a touché encore. Ouais, voilà.
Et c'est bon. Et voilà, ouh pou, le vibreur. Oh, je ressors juste devant lui, oh non. Bon bah tant pis, aïe aïe. Et ouais voilà, je l'ai dit, le vibreur il est hyper compliqué à prendre. Du coup j'ai reperdu, bah bon, je suis passé juste devant Schumacher. Mais j'ai vraiment tout perdu à la fin. Oh, ça passe. Voilà, la Montoya, il a pas du tout été incisif par contre. On va voir ce que ça va donner avec Barrichello. Ah non, c'est Michael Schumacher qui est en tête. J'ai pas compris. Je pensais l'avoir bloqué et finalement, c'est Barrichello qui est encore en tête. C'est Schumacher qui est encore en tête. Oh, alors là, le coup de frein. Il me reste plus qu'un tour. Merde, on va s'en repasser par la Williams. Je peux pas passer. Oh, ça peut passer. Si, c'est bon. Oh là, mais la Williams, c'est beaucoup plus facile à dépasser que la Ferrari. Hein. Il faut vraiment que j'arrête de faire n'importe quoi. Et voilà. Encore une fois. Et bon, ça passe. Ok, si on réfléchit bien, il va ralentir d'un coup là. Donc on va prendre un peu plus de marge, on va accélérer maximum ici. On a là les fans qui ont fait oh. Oh non. Oh non, on finit deuxième. Mais regardez. Ah, j'ai vu le premier. J'ai vu le premier passer. Et je pense qu'avec la vitesse de pointe, il m'a repassé. Oh la vache, 22 millième. Ah, je me suis vu premier. Hein. Vraiment. Au dernier, dernier mètre, là, il est resté. J'ai vu le 1 s'afficher. Je me suis dit, c'est bon, ça passe. Et au moment. Au moment de passer la ligne, on se retrouve à 22 millième. Ah, ok, bon. Bon, c'est pas grave, c'est une deuxième place. Hein. Ça aurait pu être pire, surtout avec l'erreur qu'on a fait sur le vibreur. Alors du coup, Schumacher remporte la victoire devant nous-mêmes. Montoya est 3ème, Barrichello 4, 5ème David Coulthard, 6ème Kimi Räikkönen, 7ème Ralf Schumacher, 8ème Felipe Massa. Derrière, du coup, Salo 12ème, Benton 11. Ouais, pas beaucoup de... aucune surprise, hein, toujours derrière. Et du coup, après 13 courses, on est à 10 points d'avance sur Schumacher qui est second, Barrichello 3,
Les deux Williams, Ralph et Juan Pablo Montoya qui sont à 35 et 28 points. Derrière les deux McLaren, 6e et 7e. Et toujours 8e, Jenson Button. Au classement constructeur, Ferrari continue à 141 points. Nous on a 98 points, donc ça va être bon, je pense. BMW Williams, 3e, 63. McLaren, 35. Et Renault, un petit point, 5e. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc pour la prochaine course. Je pense que ça sera peut-être le Grand Prix de Spa, normalement. On va voir ce que ça va donner. Ciao tout le monde!